tous. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, apprends à donner au Seigneur quand il te bénit et sois fidèle à tes engagements. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Jean 2, 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au sacrificateur, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ce passage qui nous raconte ce miracle de changement de l'eau en vin nous révèle trois grandes vérités si nous voulons expérimenter le miracle. Le premier élément est que nous devons inviter Jésus-Christ dans notre vie et dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, dans ce passage, il y avait les noces en Canaan. Il y avait plusieurs invités. Mais l'invité de Marc qui va faire la différence, c'est Jésus. C'est la présence de Jésus qui va faire la différence. On dit, Jésus fut aussi invité. Il a dit quelque part dans Apocalypse 3:20, « Moi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je vais parler à quelqu'un. Tu pries chaque matin avec OSP, c'est bien. Mais est-ce que Jésus est dans ta vie? Tu dis que tu vas à l'église, tu vas à la messe. Mais il faut que Jésus soit présent dans votre vie. Il faut que Jésus soit présent. Il faut que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur. Jésus fut aussi invité. Il faut que tu l'invites dans ta vie. Tu peux dire que moi je suis né catholique et protestant de telle famille. Ma mère est légionnaire, mon papa est diacre. Non, ça c'est différent. On invite Jésus de manière personnelle pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il faut passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance qui va produire un changement de vie. Mais nous devons aussi apprendre à l'inviter dans tout ce que nous faisons. Lorsque, par exemple, tu organises ta fête de mariage, Jésus doit être invité, c'est-à-dire il doit occuper la première place. Là où il y a la bagarre, là où il y a des liqueurs, où les gens s'enivrent,
là où on danse des musiques profanes, où il y a des choses vaines, mondaines, Jésus n'est pas dedans. Lorsque tu organises une fête, lorsque tu organises une manifestation, la présence de Jésus se manifeste par la prière, par la parole de Dieu qui est prêchée, par les valeurs chrétiennes qui sont démontrées. Jésus fut aussi invité. Quand nous voyons certaines fêtes que les gens organisent, fêtes de communion, fêtes de baptême, fêtes de ceci, cela, on ne sent même pas la présence du Seigneur. Lorsque dans ta fête de mariage, la parole de Dieu n'est même pas prêchée, les gens s'habillent de manière bizarre, est-ce que Jésus est invité? Deuxième élément, nous devons présenter nos besoins à Jésus. Oui, ça c'est l'exemple de Marie. Marie est une femme exemplaire. Marie est un modèle pour nous d'intercesseuse. C'est quelqu'un qui sent les besoins. Il voit les besoins d'autres personnes. Il voit ce besoin, il est présent à Dieu. Oui, je vais parler à quelqu'un. Il y a des problèmes dans ta famille où personne ne se marie, personne ne travaille. Il y a des problèmes de santé. Tu as un enfant, tu as un parent qui est malade. Il faut présenter ce besoin à Jésus. Marie a remarqué qu'il n'y avait pas de vin. Le vin avait manqué et elle s'est adressée à Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire que l'évangile de Jean présente Jésus comme Dieu. Vous voyez, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus peut être présent dans ta vie, mais lorsque tu as un problème, la première personne vers qui tu dois te tourner, c'est Jésus. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un grand frère qui est ministre, qui est déjà quelque part. Il faut d'abord présenter les besoins à Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il faut faire connaître tes besoins à Jésus-Christ. Dis-lui, qu'est-ce qui te manque? Parce que peut-être qu'il te manque une voiture de service. Il faut lui dire, j'en ai besoin. Peut-être qu'il te manque des habits. Tu prépares ton mariage. Il faut lui dire, il te manque l'argent pour payer ton loyer, pour payer la caution. Il faut lui dire, c'est dans la prière. Marie s'est tournée à Jésus. Mais attention, lorsque nous présentons nos besoins à Jésus-Christ, il peut nous répondre de trois manières. Il peut dire oui, je le fais. Il peut dire non, je ne le fais pas parce que ce n'est pas ma volonté. Mais il peut dire aussi attendez. Vous voyez, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette troisième réponse. Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, c'est-à-dire, il a dit, j'ai mon temps, attends. Lorsque Jésus appelle Marie ici femme, ce n'est pas de l'impolitesse. Il faut comprendre la perspective de l'évangile selon Jean. Dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ est présenté comme Dieu, celui qui était préexistant. Il n'était pas un enfant ordinaire. Peut-être que Marie ne comprenait pas encore cela. C'est pourquoi il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Regardez l'évangile selon Jean. Commence par, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean ne présente pas la généalogie de Jésus. Jean ne nous montre pas comment Jésus est né de la Vierge Marie, parce que sa perspective théologique, c'est de présenter un Jésus qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu lui-même, qui était préexistant, qui est venu sur cette terre pour accomplir une mission. Il a un timing et un chronogramme qu'il a reçu de Dieu le Père, et après avoir accompli sa mission, il doit retourner vers le Père. C'est ça. Si Jésus te dit, mon heure n'est pas encore venue, ne sois pas découragé, attends, persévère, et il agira. Troisième vérité, en entendant le temps de Dieu, obéit, mets en pratique sa parole. Marie n'était pas découragée à la réponse de Jésus. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Cela veut dire que ceux qui attendaient le miracle devraient faire ce que Jésus devait leur demander. Est-ce que Jésus a demandé ce quoi? Il leur avait demandé d'aller puiser de l'eau. Ça semblait être banal. Des fois, ce que Jésus te demande de faire peut sembler quelque chose qui te paraît banal ou bizarre.
Mais c'est en obéissant que le miracle va se déclencher. Ils sont partis puiser de l'eau et Jésus leur avait dit, puisez maintenant. Et l'eau était changée en vin. Je vais dire à quelqu'un, ta situation peut être transformée. Il peut changer ton humiliation en gloire. Il peut changer ton deuil en allégresse. Il peut changer ton chômage en travail. Il peut changer le climat qui règne dans ton foyer de manque d'amour. Il peut changer le cœur de ton mari. Il peut changer le cœur de ta femme afin qu'il y ait l'harmonie. Et comme il a changé l'eau en vin, Jésus est capable d'opérer un miracle. Mais il te demande d'obéir. Fais ce qu'il te demande de faire. Pose un acte qui va déclencher le miracle. Pose un geste qui va déclencher le miracle. Lorsqu'ils ont puisé de l'eau, c'est alors que Jésus a opéré les miracles. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer, chantons ces cantiques. Nayo lubika
Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élevons nos voix et bénissons son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission des prières matinales, des prières OSB, acronyme qui veut dire opération sur la brèche. O, c'est opération, S, sur, B, brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel. Oui, nous voulons vous rappeler que vous qui êtes connectés sur Internet en dehors d'Abidjan, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, en Amérique, au Canada, dans d'autres pays africains, vous pouvez suivre OSB sur YouTube. Nous sommes présents sur YouTube à 5 heures temps universel et vous pouvez participer directement par chat. Vous pouvez donner vos sujets de prière aussi et vous pouvez exprimer votre appréciation ou donner un témoignage sur l'impact de l'émission OSB dans votre vie. Mais ne gardez pas OSB pour vous. Si vous venez de découvrir OSB, veuillez partager les liens avec le plus grand nombre de personnes possible. Ils vont expérimenter la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Aujourd'hui, nous parlons du miracle de Canaan. Jésus a changé l'eau en vin et le passage qui nous sert de base, c'est Jean chapitre 1, 1 à 11. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie pour que Jésus soit présent dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. Si tu te rends compte que dans ta famille, il y a des désordres, il y a des problèmes, il faut que tu invites Jésus dans ta famille. Il faut que tu invites Jésus dans ton entreprise. Il faut que tu invites Jésus dans tes projets, qu'il occupe la première position. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons présenter nos besoins à Jésus, comme Marie a présenté les besoins. Ils n'ont plus de vin. Ça peut être tes propres besoins. Tu vas dire, Seigneur, voici, il me manque telle chose. Ça peut être un besoin de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes membres de famille, de ton entreprise, de ton commerce. Tu vas dire, Seigneur, il me manque tel appareil. Il me manque une moto. Il me manque une voiture. Il faut présenter cela à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière.
dirons-nous notre Dieu, notre Père, si ce n'est vers toi qui a les paroles de la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ? C'est vers toi qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est vers toi qui dit et les choses arrivent, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Parce que tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tes enfants ont des besoins, ont des soucis, ont des intentions, ont des fardeaux, ô Seigneur. Nous nous joignons à eux ce matin pour te les apporter. Pour beaucoup, ils veulent se marier. Que ta gloire se manifeste. Amen. Pour beaucoup, ils veulent travailler. Que ta gloire se manifeste. Pour beaucoup, ils veulent avoir des enfants. Que ta gloire se manifeste. Seigneur, il y a assez de besoins. Beaucoup veulent la promotion. Beaucoup veulent achever leur maison, payer une maison. Mais ils s'attendent à toi. Ô Seigneur, avoir une voiture pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Dieu Tout-Puissant, beaucoup ont assez de dettes. Les gens leur doivent. Ô Seigneur, que les portes s'ouvrent pour la gloire de ton nom. Nous sommes en fin d'année. Beaucoup de tes enfants sont malades. Ils veulent se joindre à leurs frères pour se réjouir. Mais Seigneur, accorde la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup n'ont pas la joie. Le foyer est ébranlé à cause des querelles, des mésententes. Envoie la paix dans les foyers. C'est notre vœu ce matin. C'est notre désir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la capacité d'obéir à sa parole. Pour que le miracle soit effectif. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu sais que tu n'as pas encore obéi, demande pardon au Seigneur. Et crois qu'en obéissant, il va changer ta situation comme il a changé l'eau en vin. Tu vas lui dire, Seigneur, change ma situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu de toute capacité, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu omniscient, tu sais tout, tu connais tout, tu vois tout. Rien n'est étonnant de ta part. Tu connais les enfants que toi-même tu as rachetés au prix du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu nous connais, c'est pour cela nous nous réjouissons parce que tu nous aimes, tu nous portes toujours dans ton cœur. Tu fais échapper, tu fais échouer tous les plans d'ennemis à notre égard. Tu combats pour nous, tu nous donnes de triompher, tu nous donnes d'avancer, tu nous donnes de progresser. Quelles que soient les méchancetés d'ennemis, tu nous donnes le pouvoir, ô Dieu, de manifester ta parole. Tu nous donnes la force de t'obéir, tu nous donnes la force de faire ta volonté, de faire ce qui est commandé. Ce n'est pas facile tes commandements, mais Père, avec toi, tu nous donnes d'avancer, tu nous donnes donc d'obéir à chaque instant et à chaque moment. Et c'est pour cela, nous savons que pendant que nous sommes engagés dans l'obéissance, notre situation de célibat va changer pour devenir une situation de marié au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous obéissons à ta parole, notre situation de stérilité, de non-procréation devient une situation de fertilité, de procréation au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous t'obéissons, cette situation malade, cette situation que nous traînons devient une situation de santé, de faveur divine. Merci Seigneur pour ta puissance.
Merci pour ce changement d'histoire que tu accordes à quelqu'un. Merci pour cette nouvelle porte que tu ouvres dans la vie de quelqu'un en cette saison de fin d'année. Merci Seigneur notre Dieu pour ta puissance qui agit dans la vie de quelqu'un pour l'amener des sorties, des chaînes, des envoûtements et d'être libre afin d'entrer pleinement dans sa destinée et de dire merci et merci pour les miracles, les signes et les prodiges que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la grâce et la faveur divine soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'en ce jour, le Saint-Esprit va commencer à agir pour faire sortir quelqu'un. Tu as vécu longtemps dans l'humiliation. Que le Seigneur change ton humiliation en gloire. Tu as été toujours dans l'opprobre. Qu'aujourd'hui, le Seigneur ôte ton opprobre et que tu revêtes désormais un vêtement de gloire. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. À lui soit l'honneur au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Sombra puissante.